Bonsoir. Est-ce que cette fois ça marche? Alors, il faut le petit délai à chaque fois. C'est bon. Ah, voilà. Bon. Ok, donc je recommence. Bonsoir à tous. Bienvenue. Je vois qu'il y a déjà 7 personnes sur le live, ce qui est rare. Et oui, j'ai loupé. J'ai oublié d'appuyer sur un bouton et de toucher un curseur. La fatigue. Donc, je vois qu'il y avait pas mal de monde. Et donc, il avait une autre voix samedi. Donc, je disais. Alors, je reprends le chat plus haut. Donc, je disais le texte en morse. C'est pas le geek qui est dit en morse. C'est un texte, il est assez long. Si vous l'enregistrez avec Audacity, vous pouvez vous amuser à décoder en fait le code. Vous avez les impulsions plus ou moins longues correspondant aux traits et aux points. Quel magnifique tapis de bureau. Ouais, je me demande où est-ce que j'ai trouvé ça. Je me demande d'où ça vient. Bon, on va pas tout l'enlever, hein, mais. Il est pas mal, il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Tac, voilà. Très joli, très classe. Bien, parfait, impeccable. Oh, Illisure, bienvenue à l'Euchimiste. Donc, Night Vision, Harper Six, Excessior, j'espère que je n'ai pas oublié. Athena Struction également. Donc. Oula. J'ai une coupure de. J'ai une coupure de du retour vidéo ou ça vient que de chez moi? Beau logo en plus dans le coin en bas à droite. Ouais, ici, là, il y a un beau logo. Ouais. On est d'accord. Par contre, je sais pas. Est-ce que ça lag de votre côté ou pas? Ça a coupé. Ah, oh merde, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on va voir ce que ça va donner. Ça va peut-être pas trop couper. Bon. Bref, passons au jeu. Alors, on va passer là-dessus. Quelques lags sporadiques. Ouais. J'ai rien qui tourne en tâche de fond. Je vais faire une petite inspection gestionnaire de tâches. Quand j'ai rien qui tourne à fond, la carte graphique tourne pas à fond non plus. Donc, bon, je ne sais pas trop. Bref, on va voir. Donc, pour expliquer un petit peu la chose, ce week-end. Je suis parti à Meudon, en région parisienne, pour participer au KA Space Contest organisé par le. Tu repasses après, tu passes sur du bon réseau. Ah, là, là, là. Au pire, j'en ferai un deuxième. Si vraiment il y a trop de monde qui ne peut pas regarder, j'essaierai d'en faire un deuxième. À Meudon, participer au KA Space Contest. Donc un événement un peu particulier consistant à effectuer une mission sur KSP dans un temps limité. Et en l'occurrence, la mission du jour, c'était de construire une base pour 20 Kerbal sur la Lune et de déposer donc en plus de la base suffisamment de vaisseaux pour qu'ils puissent rentrer. Et donc ça prenait 808 heures. Donc c'était sponsorisé notamment par Omen et Air Liquide. Quand je me suis inscrit, ce qu'on m'a dit, viens, viens, vas-y, faut que tu viennes et tout. Je suis bon, je vais y aller, ok. Je m'attendais à un truc sympa, mais je me disais ça va être une salle des fêtes avec des tables, quelques PC, machin. Là, quand je suis arrivé, que j'ai vu la salle, c'était dans un amphi. Sur une scène avec de la déco dans tous les sens, des éclairages et tout, je suis. Ouh! Wow! C'était la classe.
Bref, donc on nous a présenté le programme, la mission. Donc je vais voir le. Alors je vous avais pas la voir à l'écran malheureusement. Je voulais le faire, mais j'ai pas eu le temps. Donc je vais simplement lire le README qu'on avait chacun sur le. On avait chacun sur le bureau de nos ordinateurs. Alors bienvenue au Space Contest. Pas de chichi dans ce document, le spectacle est dans la salle. Ah, ouais, c'est la musique du jeu là. C'est ouais, c'est la musique d'attente du menu. Mais bon, si c'est trop fort, je peux baisser, hein, bien sûr. Hein. Donc, rappel au lancement, créez une nouvelle partie et renommez la save au nom de votre équipe ou, le cas échéant, à vos noms. Pas d'espace ou de caractère chelou. Choisissez Sandbox ainsi que votre flag si vous en avez créé un et que vous nous l'avez partagé. Donc effectivement, dans la partie préinstallée... non, tu parles pas de la musique qui passait à Meudon. Ah oui, moi j'ai trouvé pas sympa. Alors c'est sûr, j'aurais pas écouté pendant 8 heures, mais... Après, peut-être qu'ils l'ont passé toute la journée, mais que je m'en suis pas rendu compte. J'étais dans mon truc, moi. Ce qui se passait autour, c'était inexistant. C'était le néant, la matière noire, et plus rien. Donc, choisissez Sandbox ainsi que le flag. Voilà, donc j'avais partagé le drapeau et donc il était dedans. Dans le menu difficulté, désactivez seulement les communications. On jouera sans pendant cet event. Un truc que j'ai désactivé plus tard aussi, qui n'était pas demandé de le faire, c'était les crafts préconstruits du jeu. Je suis étonné qu'il l'ait pas mis de les désactiver, même si c'était assez évident qu'il fallait pas les utiliser. Mais après, quand j'allais naviguer pour ouvrir mes crafts, passer de l'un à l'autre, ça m'agaçait d'avoir tous les crafts préconstruits. Donc je les ai désactivés au bout d'un moment. Voilà. N'oubliez pas, remplir les critères du défi est facile du point de vue purement quantitatif. Ce qui compte vraiment, c'est la réflexion que vous apporterez, les enjeux que vous placerez, la façon dont vous le présenterez. Gardez en tête un certain sens du réalisme. Ça, c'est un point très important. On reste sur du KSP, bien entendu, mais ne partez pas dans des raccourcis qui biaisent le défi. Donc, par exemple, construire une base de 800 tonnes en forme de croix ou d'hexagone et l'envoyer sur la Lune avec en mettant 50 boosters, non. Oh, voilà, fallait quand même, ça reste un minimum plausible. D'ailleurs, c'est écrit en dessous, construisez des lanceurs relativement cohérents avec quelques libertés, bien entendu. Après tout, nous plaçons à l'horizon 2050. Si vous savez défendre une petite fantaisie, pas de souci, mais une coiffe monstrueuse et difforme, c'est juste moyen-moyen. Pensez votre aventure en sachant que vous la présenterez à un jury composé en partie de pros du spatial, des vrais de vrais. Mais chill, have fun, on ne se prend pas trop au sérieux, bien sûr. Ça, je pense que j'ai loupé ça. Mais on verra plus tard. On est là pour s'amuser tous ensemble et le jury est sensibilisé à KSP. Récap des contraintes et objectifs. Les industriels et agences d'aujourd'hui vous demandent d'imaginer la base Munaire de demain. Concevez et installez l'ensemble des modules d'une colonie capable d'accueillir 50 carbonautes. Alors c'est plus 50, c'était passé à 20. Je pense que le README que j'ai, ça devait être un ancien. C'était 20 carbonautes qu'on avait à faire de manière permanente. Ouais, en dessous, soit base permanente de 20 carbonautes au sol. On considère que l'équipage reste un an au sol avant d'être relevé par rotation partielle de 10 carbonautes, comme à bord de l'ISS. Vous n'avez pas à concevoir le moyen de transport des relèves. Donc ça, intéressant. Pas besoin de faire les vaisseaux permettant les relèves. Mais il y a un truc plus loin qui importe quand même. La base accueille un système d'évacuation d'urgence capable de ramener tout ce beau monde en sécurité. Alors, quelle chance, nous, dans le public, on a mis les écouteurs pour être dans la... Ah, mais elle était passée toute la journée, en fait? Ils l'ont passée toute la journée. Je ne me suis même pas rendu compte, quoi.
Ah ouais, j'étais vraiment dans le truc, moi. J'ai même pas fait gaffe à la musique, quoi. En tout cas, ça m'a pas gêné. Les modules de base seront solidaires liés entre eux ou seront distants de 100 mètres maximum. Ah ouais, toute la journée, d'accord. Les modules pourront avoir un rôle presque exclusivement roleplay, en vous servant de leur apparence pour en détourner l'utilisation et leur associer un rôle totalement différent si vous le souhaitez. Aucun fonctionnement à proprement parler n'est attendu. Donc ça, par exemple, ça veut dire qu'on pouvait prendre un module d'habitation et puis le présenter comme un module hôpital, par exemple. C'est voilà, c'est si visuellement ça pouvait ressembler à un module d'hôpital qu'il n'y a pas dans le jeu, c'était ok, pas de problème. Même un tube vide pouvait être présenté comme un module de stockage. Ou... C'était surtout l'aspect visuel qui comptait, pas vraiment, même si là, dans le jeu, le module qu'on verra tout à l'heure, bah, même si le module, c'était marqué que c'était un module pour faire tel truc, on pouvait dire que c'est autre chose. Un lanceur et sa charge utile ne pourra pas peser plus de 1000 tonnes au décollage, restez raisonnable, multipliez le lancement. Ça revient un peu à la base, on n'envoie pas une base de 8000 tonnes avec Admore Booster, main sauvage. Même si j'ai un peu forcé la dose, mais on verra après. On se place dans un contexte de projection 2050. Vous devez donc proposer et vendre un concept de colonie à cet horizon, illustré via KSP, avec la liberté de spéculer sur les moyens disponibles à la concrétisation d'un tel projet. Attention de ne pas basculer dans l'irréalisme impossible à défendre. Faites briller les étoiles dans les yeux du jury tout en restant les pieds sur terre. Et là, j'ai eu du mal. Déployez votre imagination, mais gardez en tête que vous vous exprimez aussi à des industriels et agences qui réfléchiront sur toute ou partie de votre concept. Je suis plus parti par là que sur l'aspect joli, quoi. Pensez bien au pitch, c'est tout ce que verra le jury de votre participation à ne pas négliger. Et là, c'est là que bah, le souci, c'est que le jury n'a vu que pas grand-chose à la fin. Mais bon, c'est comme ça. Amusez-vous, épatez-vous, ça reste du KSP. Et en dessous, PS, on dit merci à SpaceCon pour l'orga incroyable de cet événement du point de vue infrastructure et gestion. Chapeau à eux, remerciez quand vous aurez l'occasion. Ce que je n'ai pas manqué de faire, c'était absolument extra. Cette salle avec la déco, bon, la musique, ah, on aime ou on n'aime pas, effectivement. Mais les PC de fou, des i9, 9900K, 32 Go de RAM, du 2080 RTX. Wow. Bref, donc ça c'était le texte. Alors, on va charger la partie. On va découvrir ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait de vous? Alors déjà, on va charger la sauvegarde. Donc voilà la sauvegarde. Ça, c'est la sauvegarde que j'ai fait à 17h et il devait être 6 ou 7 minutes. Donc, quand le chronomètre était en train de décompter sur l'écran au-dessus, là. Voilà. Alors, ce n'est pas RSS. Le jeu est en stock du point de vue des astres. Alors, on va changer un petit réglage. Lumière ambiante. Crois que c'est celui-là. Voilà. Et sinon, vous n'y verrez que dalle. Donc ça, j'ai hésité à le changer pendant que je jouais. Je règle un truc là. J'ai hésité à changer ça parce que comme on n'avait pas le droit de changer les paramètres de difficulté, je me suis dit, est-ce que les réglages qui facilitent les atterrissages de nuit sont autorisés? J'ai dit, bon, dans le doute. Je touche pas à ça. Donc,
Qu'est-ce qu'on va aller voir en premier? Donc déjà on joue en sandbox, on va y faire, je vais pas mettre de difficulté donc, hein, réglage. Donc ça c'était standard, on a désactivé ça. Et moi un peu plus tard parce que ça m'a gêné, j'ai désactivé les vaisseaux de base. Je me suis dit bon, on n'a pas le droit de toucher au réglage de difficulté. Enlever les vaisseaux de base de la liste du VAB, je me suis dit ça normalement ça pose pas de problème. Donc ça c'était tel quel, hein, c'est le paramètre par défaut, et tout ça n'a pas changé, c'est pré-réglé. Voilà, donc ça, pas touche, c'est du standard. Alors on va aller voir ce que j'ai fait, déjà, où j'en étais à la fin. Flight Engineer, c'est quel module qui affiche ça là? Comment on l'enlève celui-là? C'est celui-là. Donc, en orbite de Kerbin, je n'ai rien. En orbite de la Lune, on va trouver une station qu'on va aller voir tout de suite. Alors, je sais pas si Dakites, Yann sont là. A priori, je les ai pas vus dans le chat, ou alors ils ont un autre pseudo, mais je pense qu'ils me l'auraient dit quand même. Donc, je ne pense pas. Donc voilà ma station. Et on va voir que en fait, finalement, elle m'a servi à rien. On va voir après. Donc une station qui reste en orbite basse, équatoriale, à environ 50 km. Et qui était censée servir de relais en fait pour les vaisseaux en partance de la Lune, où on a l'arrivée de Kerbin. Voilà un des vaisseaux, j'ai ça. On va retourner à la station de contrôle. Donc j'ai pu faire ça. J'ai également pu faire ça. On va attendre qu'il charge. Donc voilà un de mes modules de la base. Capacité 10 kerbal, j'étais censé en poser 2. Je n'ai réussi à en poser qu'un seul. Voilà. Ça c'est la base d'un module cargo habité. Il restait là. Et là-bas j'ai un autre module. On va faire ça. Donc là il y a Valentina. La seule kerbal qui a réussi à marcher sur la Lune à environ 2 minutes de la fin. Le chrono était pas encore démarré, mais c'était sur le moment de démarrer. Et le fameux petit vaisseau de transport qui transportait soit des kerbals. Faut que je laisse un peu le son du jeu. Un peu trop fort. Il transportait soit les kerbals, soit du cargo, et qui était chargé également, servi de vaisseau de secours pour rentrer. Et donc c'est tout ce que j'ai posé. Ça. Et puis c'est tout. C'est tout ce que j'ai pu faire, malheureusement. Ce design, c'est ouf. Tu les trouves sympa? C'est... J'ai kiffé ses pieds. Quand j'ai vu ses pieds dans le jeu, j'ai dit ça c'est extra. Parce que un des gros problèmes dans KSP, dans le jeu Vanilla, c'est la stabilité des modules qui est difficile à faire.
Parce que les pieds, ils ont un empattement très très petit et dès que c'est un peu en pente, ça se casse la gueule. Donc là, on est sur quelque chose de vraiment stable. Franchement, ce mode, il est vraiment classe. Je sais pas quel est le mode qui les rajoute. Mais en tout cas, c'est propre, quoi. Je trouve ça à la fois esthétique et à la fois bien fichu. Donc ouais, bah on a en haut un port d'amarrage hein, qui était parce qu'il était censé s'amarrer aux stations. Oui, aux stations, pas à la station. J'expliquerai après pourquoi. Quand je dis que je suis mal parti, je suis mal parti. Donc trois parachutes pour le retour sur Kerbin, la capsule, le bouclier thermique qui se trouve en dessous. Le découpleur, ici on a un réservoir, 4 panneaux solaires pour l'alimentation électrique, un découpleur avec les moteurs pour la remontée. Et ici c'est l'étage de descente avec deux réservoirs, les pattes et les moteurs en dessous là. Ils sont à ras du sol. Et donc la partie basse, là, jusqu'ici, reste sur la mune quand les Kerbals repartent. Ils partent qu'avec la partie haute. Ils partent à... Ça coupe ici, là. Ils partent avec que ce qu'il y a au-dessus. Comme on peut le voir sur celui-là. Donc celui-ci, c'est le premier que j'ai envoyé, premier cargo que j'ai envoyé. J'ai envoyé à vide. Tous mes modules, je les ai fait automatiques. Alors, Preston est bienvenue. Alors, c'était la fusée d'évasion de secours. Alors, c'était à la fois le vaisseau qui se permet de les amener et celui qui permet de repartir. Donc là, une fois qu'elle est repartie, hein, donc le premier que j'ai testé à vide, hein, parce que le but c'était de faire le test sans inhabité, comme ça, s'il y avait un crash, ce qui m'est arrivé avec l'autre module, ben je tuais pas de Kerbal. Voilà. Tester la validité du concept à vide avant de mettre des Kerbals dedans. Donc le premier module, bah, il reste que la base, l'autre étant revenu sur le sol. Et ça c'est mon module de la base, donc une coupole d'observation en haut. Un module d'habitation ici que je pouvais décliner avec soit une ferme, soit un module médical, autre chose, voilà. Avec des petits modules scientifiques fixés sur les côtés, les échelles pour accéder au sol, les moteurs de descente. Voilà, donc il y a 4 portes, il y a 8 moteurs, des panneaux solaires pour alimenter l'ensemble. Qu'est-ce qu'on a trouvé de bon? Les fameuses pattes, hein. Ça, ces pattes, elles sont vraiment super. Les antennes pour communiquer, évidemment. Un magnétomètre, parce que je trouvais que ça faisait joli. J'ai surtout mis le magnéto parce que je trouvais que ça faisait joli en fait. Voilà. Un Blue Moon dopé aux hormones. Deux petites antennes ici parce que voilà, c'est pour la déco. Hein. J'ai fait un peu de déco quand même. Hein. Voilà. C'est de la déco facile à faire, ça prend 3 secondes littéralement. J'ai dit, bon, on va quand même faire un truc. Voilà. Des RCS parce que pour piloter un peu précis à la descente, je me suis dit, ça pourrait servir. Et qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a deux RTG pour alimenter le module pendant les longues nuits munaires. En plus des batteries. Batterie que j'ai mis je sais plus où d'ailleurs. Je me rappelle même plus où j'ai mis les batteries. Alors dans ce module, il y a place pour 10 Kerbals. Et donc comme on pouvait faire soit une base toute assemblée, soit des modules proches, j'avais prévu de mettre deux modules comme ça, deux ou trois en fonction de la capacité des autres que je voulais faire là à la place de cette partie-là, deux ou trois, dans un espace proche à moins de 100 mètres, comme c'était demandé. Idéalement, je voulais les mettre en triangle, hein, de façon qu'il n'y ait pas plus de 100 mètres entre deux modules. Et bon, niveau précision, le premier cargo que j'ai testé, j'ai posé à 30 mètres. Hein, donc sur ce point, je ne suis pas trop mal démerdé. L'autre là, ça c'est je l'ai posé à 2 minutes de la fin du compte à rebours. Je suis à 150 mètres. Bon.
À 2 minutes de la fin, c'est pas dégueu. Hein, il y a plus que 100 mètres, mais bon. Cela dit, ce qui importait pour 100 mètres, c'était les modules de la base. Pas les cargos, ils pouvaient être plus loin. C'est pas précisé. Donc voilà. Maintenant, on va retourner au centre spatial et on va aller voir un peu ce que j'ai construit. Et on va surtout parler de qu'est-ce que j'avais prévu. Et un Dakites sauvage fait son apparition. Qui du coup va avoir raté la présentation des petits modules. Je vais juste refaire le tour vite fait quand même. Ça va, ouais, impeccable. Alors, parce que ça, tu ne l'as pas vu, ça. Tu ne l'as pas vu. Alors, autour de Kerbin, il n'y a rien. Il aurait dû y avoir quelque chose. Il n'y a rien. Autour de la Mune, il y a des choses. On va passer du côté jour. Dadki n'a pas eu la presse. Non, mais je vais lui refaire vite fait. Je vais lui refaire vite fait. Voilà, donc il y a ma station relais. Alors je sais pas si t'en as entendu parler de ma station relais, parce que toi t'étais de l'autre côté. Donc ma station relais en orbite de la Mune. Normalement, il aurait dû y avoir une station similaire autour de Kerbin. Sauf que j'ai pas eu le temps de la faire. En fait, j'ai abandonné l'idée. On verra après pourquoi. Et j'ai même pas découplé les tâches qui normalement lui aurait dû être viré, mais j'ai pas eu le temps. J'ai fait ça à la fin, à l'arrache. Donc voilà, une petite station relais avec un peu d'habitat, d'habitation, de quoi faire à bouffer, du stockage, des réservoirs, bref. Donc normalement il va y avoir ça là, elle est à sa place. Il devait y avoir une station similaire, mais avec du carburant stocké autour de Kerbin. Station que je n'ai pas fait. Ça a été montré, ça, du coup. Ouais, j'ai montré la station, mais pas en orbite. Je l'ai montré dans la screenshot dans le VAB. J'ai pu mettre aucun screenshot des trucs en vol, quoi. Qu'est-ce que j'ai de poser? La station lunaire. Alors. Le seul screenshot que j'ai d'un truc qui est pas dans le VAB ou sur le pas de tir, en fait, c'est ce qu'on va voir là dans 2 secondes. Raté. Raté, raté, raté. J'ai rouvert la même. En fait, j'ai oublié de faire le screenshot de la station en orbite. Et... trop tard. Module lunaire A. Ouais, non, mais j'ai filmé pendant 1 minute. Non, en 1 minute, c'est mort, quoi. J'avais déjà sauvegardé et tout, je voulais pas. Non, non, c'était. Bon, de toute façon, au bout de 8 heures, on n'en est pas une près. Donc voilà mon module de base. 10 kerbal, une coupole, un module interchangeable. Donc, il y a plusieurs modules de ce diamètre dans le jeu. Je voulais en faire 2 ou 3 modules comme ça, les poser à proximité. J'ai eu le temps d'en faire qu'un et même pas le temps de mettre des cabales dedans. Donc voilà. Donc coupole, habitation ou ferme ou autre chose. Des panneaux solaires sur le côté, des panneaux sur la table ici, quelques modules scientifiques, l'échelle, les moteurs de descente avec les réservoirs, des antennes. Des RTG pour alimenter pendant les longues nuits lunaires. Puis globalement, voilà, un petit peu de bazar. Juste à côté, c'est le vaisseau cargo habité. J'ai pris un peu l'idée du Soyouz, quoi, en fait. Hein. On fait le même truc qui fait 2 choses. Ça fait gagner 1 heure de design dans le VAB. Là, il reste plus que la base parce que je l'ai testé en automatique. Parce que moi, quand je teste un truc dans Kerbal, c'est en automatique. Comme ça, si ça s'écrase, bah, il n'y a que du matériel qui est perdu.
Donc je l'ai posé en automatique. J'ai oublié de faire le screenshot par terre. Voilà. J'ai renvoyé le module, j'ai ramené sur Kerbin et ça s'est bien passé. Donc après j'ai pu envoyer un module qui était lui habité. Et Valentina, le seul Kerbal qui a réussi à atteindre la surface lunaire, malheureusement. Et mon petit vaisseau de transport qui sert également de secours pour les ramener. J'avais en posé 7 comme ça sur la lune. Donc il devait amener les Kerbal et rester là pour leur permettre de repartir le cas échéant. 3 places. Bon, rien de forcier. Hein. Port d'amarrage, parachute, capsule, bouclier thermique, réservoir avec des moteurs en dessous, panneaux solaires, les échelles. Puis en dessous, l'étage de descente qu'on a vu là. Avec les pattes. Voilà. Rien de. Une antenne sur le côté à haut gain, une petite antenne à faible gain omni ici. Voilà. Bien. Revenons maintenant à ce sur quoi je suis parti. Donc, Alice en soi, ce lander propre. Ah, merci, je suis content. Donc, le 19, il est 8h, je viens de me poser devant mon PC, je configure le clavier. Et là, je me dis, il faut que j'amène 20 Kerbal sur la Lune. Donc, je vais dans le VAB. Parce qu'il y avait des modes. Hein. Alors, je vais pas les lister là parce qu'il y en a plein, mais il y a le mode pack qui a été donné sur le. Sur le Discord. Au besoin, je donnerai le lien sur Twitter, il n'y a pas de problème. Donc j'arrive dans le VAB, hein, voilà, exactement comme ça, avec mon magnifique drapeau, et j'ai commencé par passer bien 20 minutes à regarder qu'est-ce qu'il y avait comme pièces là-dedans. Bon, toutes les pièces de base, des petits modules sympathiques, j'ai vu qu'il y avait des trucs pas mal. Ça, je crois que c'est d'origine, celui-là. Voilà, j'ai regardé un peu les différents modes, les différentes pièces plutôt. Qu'est-ce qui m'a paru très intéressant au début? Bah, j'ai rien trouvé de fantastique. Enfin, si elles sont bien, rien de bien fifou. Robotique, j'ai dit de toute façon j'aurais pas le temps, donc j'ai à peine jeté. Couplage du classique. Charge utile, j'ai vu des trucs très sympas. Ça là, je me suis dit ça peut faire des trucs sympas. Ces machins là. Puis là, il y a moyen de faire des trucs propres. Donc j'ai regardé un peu tout ça. Je le voyais vraiment bien parti. C'est le premier car c'est plein d'objets complexes et bien fichu dans l'espace. Moi, c'était le premier qui a lancé des. Non. Non, c'est pas moi qui étais le premier à lancer des trucs dans bien fichu dans l'espace quand même. Largement plus complexe que certains en tout cas. Ah ouais? Non, sérieux? Ah ouais. Attends, j'ai refait mes lancements pas mal de fois. Et là, j'ai trouvé. Ça. Là, j'ai trouvé ça. J'ai vu ses pattes, je dis comment ça souffle ce merdier? Extend Stabilizer. Waouh, quand j'ai vu le machin avec un empattement qui fait 3 mètres, j'ai dit il me faut ça. Ça, c'est déjà la solution à tous les problèmes de stabilité pour se poser sur la Lune. Ça, c'est. Voilà. Ça, c'est, quand j'ai vu cette pièce, je me suis dit, cette truc-là, de toute façon, je vais l'utiliser, c'est obligatoire. Alors, il y en avait d'autres, hein, trucs. Alors, je sais pas comment ça marche, celui-là, j'ai pas le temps de regarder, mais. Est-ce qu'il est réglable? J'ai pas l'impression. On peut le tourner. Alors, je sais pas pourquoi on peut le tourner. Il
Peut-être pour le ranger, selon comment on fait ses coiffes, ses machins, peut-être le... Bah, quand j'ai vu ça, j'ai dit ça, voilà. Déjà, pour me poser, je savais qu'avec un truc comme ça, j'allais pas me vautrer une fois posé, même si le truc est un peu haut. Donc ça, j'ai dit, ça, il me le faut. Je suis parti, ok, je fais ça. Après, qu'est-ce que j'ai trouvé de sympathique? Ouais, j'ai vu qu'il y a pas mal de trucs en énergie, c'est sympa. Bon, j'ai pas eu trop le temps d'y regarder. Là, bon, j'ai vu qu'il y avait des antennes très sympas. Bon, quelques trucs en vrai sont un peu redesignés. Science. Bon, j'ai dit science, je vais pas trop forcer sur les trucs de science. Je vais faire un truc qui se pose et la science, on va en poser deux, trois dessus. Bon, histoire de. Voilà. Histoire que ça ressemble à quelque chose. Mais j'ai pas trop poussé le truc là. Cargaison. Alors, j'ai vu ces modules là. Je me suis dit, tiens, ça c'est pas mal. Ça doit pouvoir servir. Et en fait, je m'en suis pas servi. On verra pourquoi après. Utilitaire. Utilitaire. Est-ce que c'est là que j'ai vu une pièce hyper cool? Alors je précise, j'ai à part pour tester si l'installation, enfin si la station marchait sur mon PC et réglé OBS, j'ai pas lancé le jeu depuis samedi. Donc depuis samedi à 17h06, 8 là, quand j'ai pas touché de jeu. J'ai vu des modules d'habitation comme ça. Ça c'est sympa. Proposer TSTO sur le cul, sur le ventre. Ah ouais! Tu les ranges dans un sens, puis quand tu arrives pour te poser sur la lune, par exemple, tu le fais tourner à 90 degrés, tu te bascules et tu te poses. Ah! Je note. J'ai vu ça, je me suis dit, ah, pour faire une station un peu cool, je me suis dit, peut-être pas mal. Et puis bon, par contre, j'ai vu le diamètre du merdier, je me suis dit, ça, on a parlé de réalisme, je me suis dit, ça pue, on va pas faire. C'est très cool, mais je me suis dit, là, envoyer ce merdier en orbite, non. Surtout que c'était marqué pas de coiffe démesurée là, j'ose même pas imaginer la taille de la coiffe qu'il faut pour envoyer un merdier pareil en orbite. Mais ça, il y avait un autre module que j'ai trouvé très sympa. Alors, où est-ce qu'il est? Je m'étais dit, je vais faire ma base avec ça peut-être. Satané module. C'est une espèce de nœud en fait. Il se pose par terre, a priori qu'il se pose par terre, je suis en train de chercher où il est. Ça passe un... Ouais mais la baleine c'était... Non, la baleine elle est pas... elle était pas conforme aux règles du jeu, pour le coup. Ah, cette couronne est rétractable! Ben, j'ai pas regardé. En même temps, j'ai Gouverneur, je sais pas ce que c'est ça. Start rotation. Ouh, ça tourne en plus. Très sympa. Donc j'ai un nœud qui va aller avec ça. J'essaie de retrouver ce nœud. Je sais pas où il est. Il y en a qui l'ont utilisé, j'ai vu là. Module. Je vais absolument le retrouver parce qu'au départ, mon idée c'était de partir avec ça. J'étais très étonné de ne pas avoir davantage les parts de SS. PXR qui sont déployables. J'ai essayé de mon côté dans mes tests, mais ça pourrait avoir un côté paralysse quand même clairement. Donc il y a d'autres pièces déployables dans le.
Bah, j'ai même pas vu qu'il y avait des pièces déployables, tu vois. Ah ouais, il y a des modules gonflables en fait. Ça va être le même en plus petit, ça. D'accord, il y a des modules gonflables donc. Ok. Moi, j'ai même pas fait attention. Puis de toute façon, j'étais pas parti sur cette idée. Alors peut-être que si je l'avais vu, j'aurais peut-être exploité l'idée, mais bon. Disons, ça, en tout cas, ça n'aurait pas changé le truc parce que gonflable ou pas. Les plus abusés sont globalement impossibles à envoyer sans que ce soit difforme, même sur un gros lanceur, c'était tant mieux. Ah ouais, donc il y a vraiment des trucs qui sont pétés, quoi, dedans. Ok. J'arrive pas à retrouver ce satané module. Je suis tombé direct dessus samedi matin. C'est le premier le truc que j'ai trouvé, en fait. Et là, je... Alors, il est peut-être en haut, tu me diras. Si c'est le premier que j'ai trouvé, il est peut-être par là, hein. Ah bah oui, il est là. Attends, on va ranger tout ce merdier là. Ça. Ça, je me suis dit. Ça, c'est bien. Parce que ça contient déjà. Alors, je sais plus combien de carbales, ce merde, ce machin là. Six. On les a pas retirés précisément pour que ce soit un piège que les gens se refusent d'utiliser de plus abusés, sauf solution qui nous surprendrait. D'accord, donc il y a vraiment des pièces qui sont abusées dans le mode pack. Elles vous ont fait pas mal, c'est dur, les parts de mode à fond plat. Ouais, ça j'ai dit, ça c'est vachement bien. Et après je me suis dit, parce que là après j'ai vu qu'il y avait ça par exemple qui peut se foutre. J'arrive à le mettre dans le bon sens. Je dis que ça, on peut faire ça. Et on peut en mettre là. Et puis on peut mettre plein de trucs. J'ai vu qu'il y avait d'autres modules comme ça. Il y avait ça. Bah en fait, il va même pas là, lui. Ah, il va au bout là-bas, d'accord. Et si, ouais, bah, il y a moyen de faire des trucs sympas. Parce que ça contient deux kerbal. 6, là il y en a un, et donc je me suis dit, ben amener ça sur la mune et puis les monter. Sauf que je me rappelle, j'ai jamais fait, jamais joué en fait avec les ingénieurs qui peuvent monter les pièces. Et je sais pas faire, si je commence à essayer d'apprendre comment on fait pour assembler les modules entre eux ailleurs que dans le VAB, je suis ça pue. Donc je suis parti sur une autre idée, j'ai mis ça à la poubelle. Et plutôt que d'apprendre un truc sur le tas, je vais faire ce que je sais le mieux faire. Je vais envoyer un truc fait que je pose. Alors. Ok, il y a eu un bot qui mettait des liens. Mais Wastebot fait le boulot. C'était facile, c'est aussi le mode est bien conçu entre les habitudes qu'on a avec toi et Diamètre Vanilla. Ouais. Ok. Pas mal pour nos conneries de rover aussi, je suis en train de le refaire avec mon standard de base habituel du 2,50 m. Et la marge sous le piston est très faible. Et surtout, ça avait pas l'air cheaté, on n'a pas besoin de ressources inconnues. Donc, je me suis retrouvé là, donc là il devait être 9 h déjà, ça faisait 1 h que j'étais dessus. Au bout d'une heure, littéralement 1 h, dans le VAB, j'étais là. Avec cette vue-là. Là, j'ai commencé à construire un truc. Donc j'ai dit, je vais faire un module déjà pour aller sur... une station. Mon idée, c'était donc, je me suis dit, je vais faire... Une station en orbite basse de Kerbin.
une autre basée sur le même châssis en orbite de la Lune, que j'allais envoyer avec le même lanceur. Ensuite, je voulais faire une navette. Alors une navette au sens de la fonction, hein, pas au sens avec des ailes et puis un réservoir orange. Non, non, navette au sens fonction. Chargé de faire le trajet entre la station Kerbin et la station Moon, qui faisait les allers-retours, hein, elle aurait fait les allers-retours. Et ensuite, des vaisseaux, des petits vaisseaux qui feraient le trajet entre la station de la Moon et le sol. Et en plus, les modules de la Moon. Donc j'avais deux stations, 7 vaisseaux de transport sur la Moon. Ceux pour monter en orbite de Kerbin n'étaient pas demandés dans le jeu, donc ils étaient pas comptés. Et une navette, un vaisseau qui faisait la navette entre les deux stations. Donc ça faisait quand même deux stations, 7 vaisseaux 9, plus la navette 10, plus au moins 2 ou 3 modules, donc il y avait 13 craft à faire. Donc j'ai commencé par faire la première station, que je vais ouvrir là. Alors, la station... Voilà, donc là, au bout d'un moment, j'ai désactivé les crafts de base du jeu, parce qu'il y en a 50 000 et j'ai perdu du temps à aller chercher les miens. J'ai commencé par la station lunaire. Avec son lanceur. Donc moi j'ai l'habitude. Alors les coiffes longues, j'y vois pas trop d'inconvénients. Pour moi c'est pas rédhibitoire. Hein. Tori Bruno il va pas jusque là, mais bon c'est lanceur. Il y en a qui ont des coiffes assez démesurées, ça marche. Donc si Tori Bruno y arrive, normalement ça doit être bon. Ça doit passer, même si le lanceur est pas très gros. On va virer ça. Donc là, voilà la station destinée à la Lune. Alors avec une capsule, parce que je l'ai montée en habité, et en fait, c'était censé redescendre ça... une fois en orbite de Kerbin, et la station devait continuer toute seule vers la Moon sans équipage. Donc j'ai passé trop de temps à faire ça, clairement. Parce que là, il a fallu que je cherche les pièces, hein, que je les teste. Qu'est-ce qui va dessus, qu'est-ce qui va, comment je peux faire ci. Alors combien ça contient d'équipage ce machin déjà là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 places. Donc là, j'avais assez de place pour ramener tout le monde de la Moon en orbite de la Moon. Avec les petits vaisseaux qui devaient faire les allers-retours. Donc déjà, j'avais un point de prêt. Le retour de le départ de la Moon était bon. Donc j'ai fait celle-là, et quand j'ai fini ça, il était quasiment midi. Et pour moi, il restait jusqu'à 16h, mais ça aurait été 17. J'aurais su que c'était 17, c'était pareil. Quand il est midi, qu'on va bouffer, et qu'il reste 5h, et que j'ai fait une station, enfin un craft sur les 13, j'ai dit ça, c'est non, c'est mort. Donc j'ai laissé tomber la station qui devait aller en orbite de Kerbin, qui devait être basé sur le même châssis, mais avec pour fonction de remplir les réservoirs de la navette. Bah ça allait passer à la trappe. Donc j'ai abandonné la station Kerbin. J'ai pas fait. Simplement. Et j'ai lancé cette station en orbite de Kerbin, en orbite basse, avec 3 Kerbal à bord. Et ensuite, je suis passé à autre chose. Enfin, j'ai fait la station, après j'ai fait son lanceur, évidemment. Donc son lanceur, hein, donc on a de la coiffe, voilà. Grande coiffe. Deux étages.
deuxième étage. D'ailleurs, j'ai un moteur que. Il devait y avoir un moteur en plus. J'ai dû faire une fausse manip. Non, il y avait 9 moteurs sur le truc. Dans la précipitation, j'ai dû l'enlever et j'ai oublié de le remettre. Mais ça a marché quand même. Donc. Donc ça, et puis bon, j'ai regardé le Delta V, j'ai dit bon, on va pas prendre, on va pas y aller par quatre chemins. Je suis allé dans les boosters, enfin, les découpleurs, j'ai posé 2 découpleurs sur le côté. Propulseur, trié par taille, on va en bas, à poudre, qu'est-ce qu'il y a de plus lourd? Ça. Et ben on met ça. Voilà. J'ai dépensé sans compter. Et ça vole bien. J'ai monté à peu près droit, proprement. J'ai un peu galéré en bas pour faire un truc propre là parce que j'ai rien trouvé de fifou qui soit beau. Je suis pas très satisfait de. Mince. Ah! Ça j'aime pas, mais j'ai dit tant pis, c'est pas grave pour ce coup-ci. Une vraie partie à moi sans délétant, ça non, ça j'aime pas. Donc ensuite j'ai dit ben on va faire, je vais faire différemment. Il était presque midi ou voire midi passé, je sais plus. Il faut que j'arrive à poser mes kerbales. Donc j'ai attaqué le module, pas sauvegarder, le module Munaire. Alors voilà, A, A, B. J'ai fait le A en premier, le fameux module. Donc avec sa coupole, le module ici. Alors lui j'étais pris parce que ça, il y en a plusieurs qui sont le même diamètre et la même taille qu'on peut changer. Et donc j'avais prévu de faire plusieurs modules en changeant juste cette pièce en fait. Hein. Donc même lanceur, même truc, je changeais ça. Je sais plus où ils sont. Ah, utilitaire peut-être. Ou science. Pas science. Cargaison non plus. F-support. Ouais, il y avait l'aquaculture. Qui fait de mémoire le même. Alors je sais plus si c'est la même masse. Commande module, il est là le commande module. Je pose là. Commande module. 4,46 tonnes. Celui-là il fait. Je sais plus combien j'ai dit. Non, il est plus lourd celui-là. 10 tonnes. Il est très cool ce gros lander. Ouais, ouais. Donc je voulais faire donc le A avec celui-là. Sachant qu'il y a un module de guidage automatique en dessous là. Bon, pas beaucoup, mais j'essaie de le surligner. Parce que le but c'est de l'envoyer de façon autonome. Couplé à agroculture et hydroponique est une bonne solution d'avenir. Donc j'avais ça, je voulais en faire un avec ça. Alors combien il contient de passagers celui-là? 3 passagers alors que l'autre il en contient 6 je crois. Donc enfin le but c'était d'en faire donc un avec ça, un avec ça, un avec ça. Et je crois que j'avais trouvé un autre module dans un autre mode qui prenait la même taille. Où c'est, bah, j'en avais repéré 4. J'avais repéré 4 trucs qui pouvaient se mettre à la place de ça. Non, ça c'est. Pas que c'était ça. Enfin, j'en avais repéré un autre. Donc je vais envoyer au moins 3 comme ça sur la mune. En différents... J'ai eu le temps d'en faire qu'un. Ne pas sauvegarder. Donc Munaire A, le lanceur, donc avec le lanceur. Le lanceur. Donc là, la coiffe,
J'étais moyennement satisfait de la coiffe quand même. J'étais moyennement satisfait de la coiffe. Un peu gros quoi. Puis bon, ça reste du KSP. Voilà. Donc une fois dans la coiffe, un étage là, séparation. C'est pas des boosters ici. Des réservoirs. Là, on est sur purement du réservoir. Ça c'est les séparatrons, je les ai mis là parce que c'est joli. Pour pousser le lors de la séparation, pour éloigner le premier étage. Donc ça c'est des réservoirs. Et j'adore ce montage. C'est de mettre le l'adaptateur 1 vers 2 à l'envers en dessous pour faire, faire ça. Je trouve c'est très joli. Les adeptes du spatial russe reconnaîtront immédiatement quel lanceur s'est inspiré. Donc c'est un peu, j'ai un peu glitché dans le truc. Et donc normalement j'ai dû le faire là. Voilà, j'ai enlevé du carbu parce que si c'est glitché, il n'y a pas de place pour l'essence. Voilà. Par contre en haut c'est plein. Exactement. On est bien sur du proton. Et ça vole bien, ça vole plutôt pas mal. Mais par contre, le deuxième étage est un peu trop poussif. Il est pas bon. Il y a un TWR trop faible. Mais sinon, voilà. Donc j'ai lancé ça. Je l'ai envoyé sur la mune. Je l'ai posé à vide. Sans kerbal dedans. Le module n'est pas conçu pour remonter. Hein. Il a du delta V pour redescendre et puis c'est tout. Donc là, quand j'ai fait ça, il était déjà tard. Je sais plus quelle heure il était, mais il restait plus grand chose. Très sympa en tout cas cette fusée, je prends des notes. Ouais, ben, c'est fait pour, hein. C'est fait pour. Donc là, j'avais mon module, j'en ai posé un, donc j'ai fait envoyer un module vide pour tester, voir si ça marchait. Et après, il fallait le vaisseau pour envoyer les kerbals, parce que sur la mine, ils n'allaient pas y aller tout seuls. Et donc, j'ai fait le... Oh oui, là. Donc, on est sur ce qu'on a vu tout à l'heure poser, du classique module d'accouplement, un cône pour faire jeu adapté, parachute, capsule, bouclier thermique, étage, panneau solaire rétractable. Alors pourquoi j'ai mis des panneaux rétractables? Parce que les panneaux ils aiment pas trop les chocs, et quand on pose le merdier sur la lune, bah si on tape un peu fort, les panneaux on les casse. Sauf s'ils sont rangés. Donc le principe c'est que pendant la descente, au début de la descente, je range les panneaux. Donc il n'y a que les rétractables qui peuvent être rangés. Je descends jusqu'à la surface sur les batteries. Et une fois que c'est posé, je rouvre les panneaux. Pareil pour le décollage, je range les panneaux, je monte en poussant fort. Et une fois que je suis en orbite, on rouvre les panneaux. Bon, deux verres rétractables utilisés, je réfléchis au usage de cette pièce depuis une dizaine de jours. Ah oui, ouais, en dessous, ouais, j'aime bien, ça permet de faire des moteurs pas trop écartés, ça permet de rajouter pas mal de carburant sans passer sur un diamètre au-dessus. Qui des fois ferait vraiment un gros truc énorme. Ça permet de. Voilà. On reste sur du diamètre raisonnable et on rajoute un peu de carbu en bas. Ça fait plus réaliste que d'avoir les moteurs et un gros trou mieux en fait. Je les ferai voler hein, tout à l'heure. Hein. Pour l'instant, je fais le tour. On va les faire décoller, on va les montrer en direct. Alors, il y en a certains qui l'ont vu sur le grand écran derrière. D'ailleurs, quand je remarquais que j'étais sur le grand écran, j'enlevais l'overlay du jeu. Et je mettais différentes vues pour faire un truc. J'essaie aussi de... J'évitais aussi de revenir au VAB en plein pendant le truc. Quand je voyais que c'était sur le grand écran, j'ai essayé de faire des trucs jolis. Pour le nom des crafts, je suis partisan des acronymes complètement cons, tu devrais essayer. Alors,
J'aime les acronymes à la con. J'aime bien les acronymes à la con. C'est très sympa, les acronymes à la con. Notamment quand j'ai appris que chez VOS, ils ont un logiciel pour faire de la thermique qui s'appelle Stanislas. Et c'est un acronyme, j'ai dit ouais. Là, ok. J'aime bien les acronymes. Là, par contre, j'avais clairement pas le temps de chercher des acronymes. Je pouvais trouver un nom qui correspond à Crotal. Ouais. J'ai trouvé ça au dernier moment, je sais pas quoi mettre. J'ai dit, j'ai trouvé un nom, j'ai mis ça. Il y a un K, parce que Kerbal, Crotal, et puis l'autre s'appelle Cobra. Parce que je me suis dit, voilà, on va faire ça vite fait, c'est histoire de mettre un nom dans... C'était histoire de mettre un nom dans le... dans le... pas le PowerPoint, le... comment il s'appelle, enfin l'équivalent de chez LibreOffice. Pour la prochaine fois, du coup, on sait qui appeler pour faire du co-cast Rubénir. voilà. Donc, petit... Ah oui, puis j'ai pas montré les spécifs. Celui-là... avec le vaisseau tout monté, 186 tonnes. Dans le. Je crois que j'ai oublié de le mettre dans le PD, dans le PDF. Pas le PDF, le. Enfin le. Le diaporama. Et l'autre, 700 et quelques. Ah oui, le lanceur ici, c'est le même que pour lancer les modules. Les modules de la base, c'est le même lanceur, exactement. Pour ça que la coiffe était un peu grosse pour l'autre pour le module habité en fait, en volume intérieur. Parce qu'en fait la coiffe elle est dimensionnée pour celui-là. Et c'est la même qui est utilisée pour l'autre. Là je suis à 200 tonnes pour celui-là. Et le gros 700 et quelques. Mes droits de sacrer le fameux Senat Launch System. Les slides avec le. Je les ai pas vus, les slides. C'est un truc j'aimerais vraiment. Enfin, ça serait vraiment cool si je pouvais les. Regarder ce qu'ils ont fait les autres. Il y avait des trucs qui avaient l'air vraiment cool. De temps en temps, je jetais un œil derrière, voir là, ce qu'ils faisaient. Pas pour copier, hein, parce que de toute façon. Pas. Enfin, c'est. S'il y en a qui ont essayé de copier, de toute façon, ils n'ont pas pu arriver à la fin. Juste pour voir un peu la gueule des trucs quoi. Et ça fait 733 tonnes, donc là j'étais largement bon, c'était 1000 tonnes max. Large. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre? Alors le choix des orbites. Le choix des orbites. J'ai choisi de l'orbite équatoriale. Alors, c'est pas top. On va retourner dans le dans la vue est la vue stellaire. C'est pas terrible pour de l'exploration. On va regarder pourquoi. Mais on va voir aussi pourquoi j'ai choisi ça. Donc voilà la mine. On voit que dalle, c'est l'enfer. Tant carte, 30% j'ai rajouté. Crois qu'il y a le gamma à un endroit qu'on peut choisir. Ben, il me semblait qu'il y avait on pouvait régler le gamma. A priori non. A priori non. Bon, c'est pas grave, on va retourner là.
Donc orbite équatoriale, hein, alors quasi équatoriale. Même plus où est-ce qu'on voit l'inclinaison de l'orbite dessus. Donc pourquoi j'ai choisi de l'équatoriale? Parce que c'est pas terrible. L'équatoriale, on ne peut se poser en partant d'une orbite équatoriale que sur l'équateur par définition, puisque la Lune tourne dans le même sens, sur le même plan que le vaisseau. Et donc si on part de là et qu'on descend, on va tomber forcément dans la bande équatoriale et pas ailleurs. J'ai choisi ce cratère. Je dis bon, bah, on va aller dans un cratère, au bord d'un cratère, pourquoi pas. Alors sachant qu'une orbite inclinée ou polaire est beaucoup mieux, puisque à partir d'une orbite polaire, on peut se poser n'importe où. Mais la Lune tourne lentement sur elle-même, et si je veux me poser à une latitude un peu élevée avec une orbite polaire, il faut que j'attende que le site d'atterrissage passe dans le plan orbital, qui lui ne tourne pas. Par rapport au ciel profond, aux étoiles, le plan orbital reste fixe. Et on avait 8 heures pour faire le truc. Je me suis dit, si je commence par me dire, je vais aller me poser dans le cratère ici parce qu'il y a plus de lumière, les nuits sont moins longues et machin. 8 heures, ça va être tendu quoi. Déjà que poser le truc à 100 mètres près, c'est compliqué. Donc j'ai dit, tant pis, on va partir sur de l'équatorial parce que là, en tâche, c'est que deux carbines. On part plein est, on est en équatorial. Orbite de transfert, on se retrouve en équatorial. On se pose à l'équateur, il y a juste à attendre au pire une orbite. On pousse en rétrograde, on descend et on vise. Donc voilà, c'était quand même quelque chose de plus simple. C'est plus efficace pour le temps, par contre clairement en termes de réalisme c'est pas top parce que coincé à l'équateur c'est... Mais j'avais pas le temps. C'est pour ça que j'ai choisi l'équatorial. La simplicité, quoi. Donc voilà. Et arrivé donc à 17h, et ben j'en étais là. Et j'ai posé à la dernière seconde. Quasiment Valentina sur la mule. J'ai eu le temps de la faire descendre de la. À 16h58, j'ai posé le vaisseau par terre. Et puis en chrono démarré un peu plus tard, donc j'avais enregistré. Vous voyez que le chrono n'est pas démarré. Oh, on va faire descendre Valentina, on va la faire courir un peu. J'enregistre, tac tac. Je reviens, on est en première de l'after movie. Ah d'accord. Ok, ça dure combien de temps? Ah, il a dû partir. Bon, c'est pas... on va faire des quelques lancements de fusées en attendant. De toute façon, j'ai fait à peu près le tour. Hein. Centre spatial. Alors. Je vais refaire les lancements dans le même ordre que je les ai fait in-game. Ça, vous allez voir les fusées partir, ça quand même plus sympa. Ouvrir. Première chose que j'ai lancée, c'est la station. Lancer. j'ai peut-être mis rempli de Kerbal là par contre. Parce que oui, j'avais recruté les Kerbal. J'ai oublié de le montrer, mais j'avais recruté tous les Kerbal. Pour aller sur la mine. Donc je pense que la station va être bien remplie de Kerbal. Il y en a 3. Il y en a 3. SAS. Il fait jour. C'est parti. On va essayer de faire les gravity turns propres. Hein.
qui n'est absolument pas le cas de celui-là. On va le forcer un peu à descendre. Là aussi, j'ai perdu un peu de temps à vouloir refaire des Gravity Turns propres. J'aurais dû, tant pis, même si c'est un peu sale. Non, mais il est vraiment dégueulasse celui-là. Vraiment, il est dégueulasse. On va revenir au lancement. On va refaire ça propre. Là. Pas exagéré quoi. 30 degrés à 10 km. Enfin, 30, 70 à. Bon, c'est franchement non. Bon. On va faire ça quand même. Restons sérieux quand même, un minimum. TWR, je crois que je suis à 1,34 de mémoire, celle-là. Bon, j'ai le PDF, hein, faut déjà... je sais plus ce que j'ai foutu de mon PDF. J'avais noté. Alors, mon astuce, quand je commence à trop tomber, je mets un coup de stabilité, comme ça, elle arrête de suivre le prograde. Après, je la remets. Ça permet de compenser un peu quand elle tombe un peu trop vite. Là, je la remets droit, là. Arrête de suivre le prograde, comme ça, ça la relève un peu. Sans trop le perturber. Ouais, 13 km 45, c'est pas mal. Séparation des boosters. Ah pareil, hein, les séparatrons, j'ai pas fait de réglage, rien, je les en ai posés. J'ai posé, je les ai mis dans le truc, j'ai pas fait de réglage pour faire écarter les boosters en haut, plus vite qu'en bas, comme il faudrait le faire normalement. Bon là vous voyez certainement que dalle parce que je joue en 3072 par 1200 je sais plus combien là, 1700 et quelques. L'apogée vient d'être passé dans l'espace à 71 km. Je suis à 50, je sais pas pourquoi il me met le... On peut pas décaler le... Si. Mets-le-moi ici. Hein. Voilà. Ouais, quasiment dans l'espace, on jarte la coiffe. Et 200 km, on coupe. Et là, j'avais oublié de mettre les... J'ai oublié de mettre les séparatrons. Et je sépare le premier étage. Donc là, je fais M, je vais à la P. Alors là, j'ai réussi à les faire mieux que ça, samedi. Hop. On déploie tout le bazar. Maintenant que le premier étage qui pousse fort, il est
Il est parti. Donc là, le premier étage va rentrer dans l'atmosphère et s'écraser au sol. Parce que pour l'instant, mon périapside est à moins 148 km. Hop, voilà, je suis aligné sur le vecteur de poussée. Et je dois allumer dans 3 minutes. On va accélérer un peu. secondes. Et là, il m'est arrivé de faire des fois la connerie, notamment de faire espace au lieu de faire W. Ce qui fait que j'ai séparé l'étage, je vais rallumer les moteurs qui étaient déjà actifs. Et on va pas se mentir, un peu con. Donc, c'est parti pour la circularisation de l'orbite. Et donc là, il manque un moteur. Là, normalement, il y en avait 9. J'ai pas fait gaffe. Quand je l'ai construit, j'ai dû l'enlever par erreur et j'ai oublié de le remettre. Et vous êtes 10 personnes? C'est fou, ça. Et oui, et un autre truc que j'ai oublié, c'est que au début de la. C'est qu'on peut faire Alt Warp. Je sais, hein, je connais la commande, hein, je l'ai pas découvert samedi, mais. Ce qui est con, c'est que j'ai pas pensé l'utiliser plus tôt, parce que là, l'allumage qui dure 4 minutes. Oh, je faisais des photos et je le mettais sur Twitter, mais bon. J'aurais eu le temps aussi de faire une photo comme ça. Et pour autant gagner du temps. Hop là. Donc voilà ma station sur une orbite de 201 par 201 km. Alors j'ai même pas pris le temps de régler les différents... les différents trucs, parce que orbital, j'aurais pu mettre ça par exemple, ça m'aurait donné l'inclinaison. Je suis à 1 degré d'inclinaison, donc c'est très bien. Par là, DreamX TV, welcome. Salut, c'est quoi le mode que tu insères pour avoir ces textures? Alors, les modes, ah, attends, je vais essayer de les retrouver. Je vais pas pouvoir les afficher à l'écran, malheureusement, j'ai peu le temps de paramétrer mon OBS. Je voulais faire ça assez vite. Je vais essayer de trouver quel c'est. Alors, il y a Astronomers Visual Pack. Alors, je vais le coller là. Alors, je sais pas lequel fait toutes ces textures, mais je vais mettre tout ce qu'il y a. Et l'adresse du lien, je vous mets le lien ici. Il y a Environmental Visual Enhancement. Copier l'adresse du lien. Ça. Après, il y a Restock. Restock. Alors, Restock. Copier l'adresse du lien là. La fiche synthèse, ouais, mais elle est dispo avec un lien public, la fiche synthèse des... ou pas. Si t'as le lien, ah, tu peux pas le poster.
Ouais, mais oui. Forcément, il t'a viré le truc. Essaye de le poser, sinon tu me l'envoies MP. Est-ce que je l'ai pas le lien en fait? Enfin, je l'ai pas sous la main en fait là. Mais je pense parce que là, il est là le lien en fait. Le bot il te l'a. Le bot il te l'a viré le lien. Et j'ai pas encore paramétré sur mon Stream Deck les commandes pour désactiver temporairement les trucs des liens là. Il est sur le Discord SpaceCon dans annonce. Ah, attends, parce que ça je l'ai par contre. Oh fuck. Unban d'Aquitesse. Copier le lien. Tac. Ouais, le bot il. Le bot il t'a ban après. Je crois qu'il t'a ban ce con. Oh putain, mais quel abruti ce bot. Voilà, donc j'ai mis le lien, il y a tout le pack de mode qui change les textures et tout en fait. Hein. C'est le pack complet de mode de cette save. Donc bah du coup tu es revenu et bah en fait t'as raté le lancement de ma. J'ai fait un lancement de ma station en fait, simplement. Ben, on va aller faire un autre lancement. Voilà, donc, la petite station qui est là, là. Bah du coup j'ai pas présenté plus que ça ma station là. Donc la capsule, panneau solaire pour alimenter en énergie, des petits là, des grands ici, les radiateurs orientés à 90 degrés des panneaux solaires, un classique. Mais je suis là pour ça, hein, le temps de pro si les gens ils demandent des trucs, n'hésitez pas à poser des questions. Hein, je suis là pour ça. Je fais ce live en fait. Exprès pour ça, donc voilà. S'il y a des questions, faut pas hésiter. Hein. C'est vraiment exprès pour ça. Donc voilà, des antennes ici, là. Normalement, il y a mon antenne omnidirectionnelle qui doit traîner dans un coin. La plate. Où est-ce que je l'ai foutue celle-là? Elle est là. Centrer la caméra. On la voit discrètement cachée dans le long ici là. Du coup, il te fait s'en venir au lancement. Le lanceur est une grosse fusée avec ça au bout. Ouais, bah écoute, regarde, c'est ce qu'on va faire. Centre spatial. On n'est pas à 10 minutes près. On va en lancer une autre. Ah parce que t'as même pas vu. Ah oui, t'as même pas vu le lanceur en fait. T'as même pas vu le lanceur en fait de. Toute façon, je vais toutes les relancer les fusées hein, ce soir, donc voilà. Voilà. Donc la station, elle est là, là. Hop, ça fait 734 tonnes, tout compris. Un étage là, un gros étage là. Les boosters, bah, j'ai mis les plus gros, hein, parce que voilà, j'ai Delta V sans compter. Et on va lancer un autre bazar comme ça. L'appel du teasing after movie en découverte en direct tous ensemble m'a eu. J'ai hâte de le voir, le after movie truc aussi. Mais je pense que je ne pourrais le voir, non, que jeudi soir, je sais pas quand.
Il sera publié parce que évidemment, malheureusement, je ne pourrai pas venir jeudi, c'est trop loin. Il faudra un téléporteur. Ah, ma fusée. En fait, si tu as vu le début du lancement. D'accord. Ben, on va refaire un lancement. On n'en avait pas une fusée près. Hop. Ces derniers énormes stocks, c'est... je sais plus. Je m'en rappelle plus. Je sais qu'ils ont des cardans, ce qui est vachement bien. Il est VIP parce qu'il a voulu poster un lien tout à l'heure et ça, le bot a pas voulu, donc je l'ai mis en VIP pour voir si ça allait... lui permettre de le faire et en fait ça n'a pas permis, au contraire ça la enfin le bot la banne quand même derrière, donc voilà, ça n'a pas marché quoi. C'était censé lui permettre de poster le lien et bah bon, maintenant qu'il est VIP je vais pas l'enlever parce que la flemme. Ah, je suis un peu raide en montée, on va passer en orbital pour compenser un peu. Ouais, j'ai voulu compenser un peu, en fait j'aurais pas dû. Et je pense qu'elle était presque bonne là. Hop, allez, on éjecte ça. De mémoire, ils sont en stock ces gros boosters, ouais. Assez possible, ouais. Par contre, j'ai pas pris le temps de tourner la. J'ai oublié de tourner le module de contrôle. Là, il est tourné à 90 degrés. Bon, c'est pas grave, ça, j'ai pas eu le temps. Si tu montais un peu trop vertical, là, c'est encore. Non, j'avais l'impression que je piquais trop du nez. Je l'ai forcé en droit pour qu'il arrête de descendre un peu. Et en fait, j'aurais pas dû. Ou je l'ai fait trop longtemps, quoi. J'ai mon APO à 85. Là, forcément, vous pouvez pas lire, hein, c'est trop petit. Je crois qu'on peut régler la taille, mais je sais même plus où c'est. Ah, j'ai compris dans le sens, mais... Ouais, non, non. J'ai l'impression que je piquais trop, mais en fait, non. 65, on vire la coiffe. Pas attendu d'être dans l'espace pour gratter un grappillé un peu de delta V. Hop, on coupe ça. Là, j'ai oublié de mettre les séparatrons. Donc j'y vais au RCS. Hop, et ajouter une manœuvre. Wow. Je suis comme un sauvage là. Et ça tourne tout doucement. Là, j'ai un moteur qui, quand j'ai construit, il y en avait un au milieu normalement, et j'ai merdé, j'ai dû l'enlever à la construction, et puis j'ai oublié de le vérifier, de le remettre. J'adore ce étage large et multimoteur. Ouais, j'aime bien, ouais. Mais il en manquait un au milieu.
Et on pousse. Et on va faire Alt Warp. Histoire de gagner du temps. J'ai pensé trop tard dans le samedi à faire du Alt Warp sur les poussées moteurs. Dans l'espace. Parce qu'on peut clairement les faire. Hein. Quand on pousse avec ça, Alt Warp, ça. C'est des allumages de 5 minutes. J'ai oublié. J'ai pensé à. Métier, j'ai dit merde à chaque fois, là j'ai perdu 3-4 minutes. Alors je peux diviser par 4, littéralement. Mais bon, c'est pas grave. Et il y a 11 personnes. Pour le live. Hop là. Et voilà une belle orbite, pas trop dégueu. Pas très la précision, mais enfin bon, ça. À peu près rond. Comment faire le warp? Je savais pas ce qu'elle touche. Bah, la touche warp, c'est comme le bouton là-haut, là, ici. Avance rapide. Et donc il y a une touche sur le clavier. Alors par défaut, je sais plus ce que c'est, moi c'est 1 et 2 sur le pavé numérique, mais je les change. Et donc si on le fait, le warp, il marche que dans l'espace quand les moteurs sont éteints. Et si on fait Alt et la touche, en fait, ça permet d'accélérer le temps sur le moteur physique. Le warp physique, comme quand on est dans l'atmosphère. Et donc moi c'est Alt et 2, mais c'est pas la touche par défaut. Voilà, et puis donc une fois que la station, j'appuie sur la touche 1 et hop, ça déploie tout bazar. Panneau solaire, antenne, radiateur. Par défaut, c'est qu'elle passe touche de ponctuation. Ouais. Et donc, une fois la station mise à poste, je ne l'ai pas fait, mais normalement, je vire ça. Et là, j'ai un port d'amarrage à l'arrière qui donne dans la soute ici. Là. Donc un à l'arrière et puis un à l'avant sur la capsule qui est. Celle-là était censée redescendre en fait. Avec un autre gros port d'amarrage devant là. Alors on va pouvoir le faire là. Normalement, ça, je peux faire découpler. Voilà. Et là, j'avais ma station terminée. Autour de la Lune, d'ailleurs, c'est pareil. Normalement, elle serait partie. Il ne devait pas y avoir ça, normalement. Mais bon, j'ai pas eu le temps de fignoler pour y parvenir. Donc, voilà. Donc, un grand port d'amarrage à l'avant. Pour, par exemple, la doubler. Même si c'était pas prévu que je fasse samedi un module devant, mais c'était prévu, voilà, c'est dans le design, un grand port d'amarrage ici, et un petit pour les vaisseaux de transport à l'arrière. Hop. On va retourner sur le sol. Ceux-là, ils sont très sympas, les effets de flamme des moteurs là. Vraiment, ils sont extra. Je sais pas quel est le mode qui fait ça, mais franchement, ça a de la gueule. Là, je désorbite ma capsule.
Waterfall. Ah, c'est Waterfall qui fait ça, d'accord. Avec la config qui va bien. Ok. Donc là, j'ai fait le rétrograde en la poussée rétrograde côté nuit de façon à faire la descente côté jour. Sympa parce que sinon, vous y verrez rien. Hop! Allez, on se met en normal. On éjecte ça et on se met en rétrograde. Alors pourquoi je me mets en normal? Pour l'éjecter les tâches, parce que si je l'éjecte dans le même sens où je me dirige, si l'atmosphère le freine plus que ma capsule, ben je risque de me le ramasser dans la tronche. Alors que là, je l'éjecte sur le côté, il fait que, bah, après, il vit sa vie tranquillement. Franchement, les effets des RCS, quoi. Gigo, bonne fin de live. Merci, bonne soirée à toi aussi. Et donc il y a aussi un mode là. Je sais pas si c'est, je crois que c'est pas Real Plume. Je crois pas que c'est celui-là qui fait les effets de réentrée qui sont vachement vachement plus beaux là. J'en avais un qui faisait ça, mais je crois qu'ici c'est pas le même. Bon là je descends pas très vite, on va pas avoir... ça va pas être très très impressionnant. C'est plus sympa quand je fais la redescente du module qui revenait de la lune en fait. Et Real Plume est plus utilisé du coup. Ah c'est Reentry Particle Effect, ok. Que clairement les effets du jeu de base c'est que ça là, c'est pas ouf quoi. Tu as acheté un coup d'œil sur Adobe, tu découvriras des modes sympas avec un petit résumé associé. Ok, j'ai pas eu le temps de pour l'instant de regarder. Allez, il va me la mettre la flamme là. Ah là, ça y est. Ça a de la gueule. Il est chaud ce mode, il a failli ne pas faire le casse. Ah oui? D'accord. Oui, il s'est révélé être pas forcément très très stable. Là, on a vraiment des effets sympas. Là, une traînée qui fait plusieurs centaines de mètres de long là. Alors, un truc que je fais tout le temps. Sur mes capsules, je vois peu de joueurs le font. Alors, il y a sûrement une raison. Quand je découple le dernier découplage qui prépare la capsule pour la réentrée, il active l'ouverture des parachutes automatiques. Comme ça, même si je perds le contrôle de la sonde pendant la descente sous plasma, et au moins les parachutes ils vont s'ouvrir, quoi. Si j'ai plus d'antenne ou plus de. Il n'y a plus de communication, ça peut arriver. Au moins les parachutes s'ouvriront quand même. Ça va s'arrêter. On va mettre un coup de warp. Ouverture des parachutes. Après ouverture. Ils sont beaux ces parachutes aussi là. Ne jamais se poser au sol avec le warp physique.
Je vais de suite modifier mes capsules avec ces astuces. Ouais, parce que quand je fais des capsules, alors surtout des capsules autonomes, des sondes en fait, des retours d'échantillons. Alors dans les parties où je joue avec le. Parce que là, on n'avait pas le réseau de com. C'est-à-dire que comme il n'est pas actif, en fait, toutes nos sondes sont contrôlables avec ou sans réseau OSEF, quoi. Par contre, quand je fais des parties du jeu, moi, il y a le réseau, et s'il n'y a pas de sonde à portée pour faire relais, il n'y a pas de contrôle. Donc, et des fois, tu as le contrôle encore en orbite, parce que bon, il y a des satellites toujours un peu à droite à gauche. Mais des fois, il suffit de descendre, d'être caché par une montagne, ou pas de bol à ce moment-là, il n'y a pas de couverture là où on est. Ben, on se retrouve à 8 km du sol, et espace, mais oui, mais c'est rouge en haut, et voilà. D'ailleurs, il n'est pas dans la petite liste ce mode. Quel mode? Space Contest. Attends, il n'est pas dans la liste et il est dans le dans l'install. Non, attends, ce mode de quel mode? Ah non, Reentry Particle Effect. Ok. Il est dans le jeu, mais il n'est pas dans le PDF, c'est ça? Je crois que c'est ça. Je cherche à dire. Ouais, il est dans le jeu, mais il a été oublié dans la liste, en fait. Ok. J'ai oublié de le mettre dans le petit doc qui récapitule tous les modes de l'install. Ah, ouais, ok. Voilà, mes petits kerbals sont revenus tranquillement. Hop. Station de contrôle. Alors il y a. Non, je crois que j'ai laissé au sol la capsule que j'ai envoyée en automatique sur la mune pour tester si c'était viable, mon concept. Voilà, celle-là. Au début, elle s'appelait Co-Use. Et après, j'ai changé de nom. Bon, ça donnait envie de voir ton PPT, ça. Ouais, bah mon PPT, tu vas être déçu, hein, parce que franchement, j'ai fait à l'arrache avec un logiciel que je connaissais pas. Donc bon, mais voilà, ça c'est la capsule. J'ai envoyé un autonome sur la mune. C'est celle qui a laissé le. T'as peut-être pas vu le module de descente sur la mune tout à l'heure. Je sais pas si t'étais là. Donc elle n'est pas habitée, celle-là, elle est partie en autonome, elle est revenue en autonome. C'était pour voir si ça marche en fait. Et comme ça marchait, après j'en ai envoyé une avec des kerbals dedans. Voilà, je l'ai laissée là. Elle est posée. Et ça, j'ai rien pu montrer dans le PPT. J'ai rien, j'ai aucun screenshot des modules en fait. J'ai rien. Littéralement, il n'y a que dalle. Il y a ce qui est posé sur la. Si, je crois qu'il y a le. Je crois que j'ai juste mis le module munaire, la fin de la base. Je crois qu'il n'y a que celui-là qui est en screenshot dedans, là. Celui qui est là-bas, là. Enfin, ça, c'est le deuxième que j'ai envoyé avec les Kerbal. Ça, c'est le module, c'est le deuxième parce que le premier je l'ai éclaté à 350 mètres par seconde hein, sur la surface. Et voilà, ça c'est le module de descente de celui qu'on vient de voir juste avant la vide. J'ai posé à 35 mètres. Pas dégueu quoi. Alors par contre lui j'ai posé à plus de 30 mètres parce que je l'ai posé 2 minutes avant la fin du chrono et bon bah on va pas chipoter. Hein. Si j'avais relancé la partie de toute façon c'était mort. Donc,
marrant, il y a des effets de poussière dans le... Dans la... Comme des nuages. C'est vrai que là, par contre, pour sur la mune, ils sont lents. Ils sont lents. Et je sais pourquoi ils sont lents, parce que je sais pourquoi. Ça fait ça. Ah, donc ça, c'était le module lancé automatiquement pour tester si c'était viable avant de avant d'envoyer des kerbals dedans. Et je crois qu'il n'y a que ça où il y a un screenshot dans le PPT. Les autres, c'est que des screenshots dans le VAB. Il n'y a rien, quoi. Enfin, littéralement, il est vide, mon truc. Il est littéralement vide. Mais bon. Et donc, en fait, vu que le module est capable d'aller de Kerbin jusque là et de repartir à Kerbin avec du rap dans le réservoir, bah en fait, ma station, finalement, elle sert à rien. J'aurais pu ne pas la faire, j'aurais réussi à aller sur la... J'aurais réussi à aller sur la... Ils montent pas. J'ai dû foirer une touche. J'ai dû foirer une touche. Avancer Z. Ah, peut-être R et Y alors. Non, c'est pour le jetpack ça. Bah, je comprends pas pourquoi. Oh, 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 qu'est-ce qu'il me fait là? Ah, je sais ce que j'ai fait. Bon, je relance le jeu. On va mettre la caméra en grand en attendant. Ouais, parce que j'ai mis une résolution personnalisée en éditant le fichier de config. Quand le setting CFG, il faut que je retrouve le réglage. Alors c'est 3072 pixels par 1728 de mémoire. Voilà. C'est reparti, on relance. Et quand je modifie les paramètres, effectivement, il réécrit tout le fichier config et bah, comme la résolution que je mets, elle n'est pas dans la liste, bah, forcément, il remet le 1024 par 768 ou je sais pas combien là, de base. Et ça pète tout. Et pendant qu'il charge, je fais une petite pause technique. Je reviens dans 2-3 minutes.
Me voici de retour. Avec ce petit problème de monter à l'échelle, bah, qui montait pas. Je sais pas pourquoi. Quand la touche était bien réglée, je sais pas ce qui s'est passé. Ah, peut-être un bug avec l'échelle, pourtant elle est à moins qu'elle soit trop clippée dans le. C'est étonnant, non, c'est bien la touche Z pour monter aux échelles donc. Ah, j'aurais ragé si samedi j'avais réussi à amener les Kerbal et puis que j'avais pas pu monter parce que l'échelle est pétée. Oh. Ah si, ça y est, ça monte. Bon. Allumer la lumière. Voilà. Un Kerbal. Il y a un Kerbal dans la... dans le module. Comment on fait pour les transporter déjà? Transfert équipage. Oh, sympa ça. Ah, le module il est classe hein. Oh, même le RTG un peu sur la gauche là, à travers la vitre. Non, franchement c'est pas mal. Pas mal du tout. Revenons au centre spatial. On va essayer d'aller mettre un deuxième module à côté de celui-là. Que j'aurais dû faire samedi. Et que je n'ai pas fait. Parce que pas assez de temps. Alors, je vais pas reconstruire un autre module avec l'autre truc, hein. Je vais simplement relancer un comme ça. Je vais simplement relancer le même et puis on va aller voir si j'arrive à le poser à côté. Proprement ou pas. Ah, le Gravity Turn, le plus dur, c'est toujours pareil, c'est le début. Bon, j'ai pas mis assez de... Non, ça c'est de la merde. On refait. Et vous êtes toujours neuf. Ça fait 2 heures que je suis en live. Alors, est-ce que ça va partir mieux là? Ça a l'air mieux déjà.
Alors je sais que celui-là, à un moment donné, j'avais montré comme ça, là, sur le grand écran. Là. J'avais retourné la tête, j'avais vu qu'il y avait mon écran d'affiché. J'avais enlevé l'overlay, puis je faisais voir celui-là. Là. Je sais qu'à un moment, il est passé. On attend mes critiques sur l'organisation. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas encore critiqué l'organisation. L'organisation, qu'est-ce que je pourrais critiquer dedans? Pas grand-chose, en fait, hein, pour une première. Bon, il y a eu un loupé sur l'adresse, mais je pense que ça, c'est pas trop... Enfin, je pense que ça, c'est fait. Ça, c'est un graviton trop bas. Bon, il y a eu l'adresse, mais a priori... Personne s'est retrouvé au parc de l'autre côté perdu. Semble-t-il. Après, bon, le timing un peu serré, il devait y avoir la présentation. C'est un truc qui est dommage, mais bon, on n'avait pas eu le temps. C'est la présentation des. La présentation des membres du staff, en fait, qui a pas eu le matin. Ça aurait été cool. Bon, on n'a rien vu pour ce Gravity Tomb dégueulasse, hein, voilà. Ça aurait été cool, mais bon, c'était serré. Après, c'était bien, hein, quand j'ai ouvert la porte en haut et que j'ai vu le truc en bas, non mais voilà, ça c'est de la... On va dire qu'on n'a rien vu. Et là, ça va se finir en... Quand j'ai vu la salle, j'ai ouvert la deuxième porte du... Wow. C'est quoi ça? Des tables avec des décos autour, l'éclairage... Mais c'est quoi ce truc de dingue, là? Moi, je m'attendais à... Pour une première, comme ça, je m'attendais à une salle des fêtes à la con, avec des tables à la con, et puis... Enfin, comme je faisais des LAN il y a 15 ans, quoi. Je savais que les PC, ça allait être du bon truc, parce que sponsorisé par Roman, je me doutais bien que ça allait y embrouiller, quoi. Mais quand j'ai vu la salle et tout... Quoi? Ok. En vrai, côté SAF, on a fait les gros yeux tout pareil. Ouais, mais oui. Alors, mon étage est ultra sous-dimensionné. En TWR, c'est la misère. J'ai pas eu le temps de le reprendre. J'avais plus le temps. J'avais juste pas le temps. Mais quand SpaceCon a un truc entre mains, ça devient de l'or. Après, c'est pareil, j'avais demandé est-ce qu'il faut prévoir à boire, machin. Je crois que c'est toi qui m'avais dit il y a un bar et tout là. Qui me dit non, mais c'est bon, il y aura accès au bar et tout. Je dis oh, c'est bon, s'il y a un bar, machin. Et j'arrive et à midi là, mais il y a à boire, il y avait les sandwichs, il y avait les trucs. Je dis what? Sérieux? Ah ouais, non, mais là, c'était fou, quoi. Ouais, mais c'est beau comme propu... Ouais. Mais c'est beau, mais c'est pas très efficace. Hop là, on ouvre ça. Oui, le chat. Garde le chat pendant une dizaine de jours là et il miaule. Eh, viens deux secondes. Allez, monte. Viens te faire voir la caméra. Ouais, c'est ça, j'ai raté complètement le... Hop, allez, montre-toi la caméra. 2 minutes. Hop là, regarde. Hop. Dis bonjour à la cam. Hein? Dis bonjour à la caméra, allez là-bas la caméra, regarde devant toi. Allez, dis bonjour à tout le monde. Hein? Hop, oui, montre les patounes, oui, montre les patounes, oh là 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 là, hop, là, voilà. Hop, oui.
Ah mais tu râles. Hey, file. Non, non, allez, va-t'en. Je veux pas que tu montes pas sur ma chaise. Hop là. Parce que la chaise à caracing avec la sellerie en cuir, non, le chat, non. Non. Définitivement, non. Là, je suis en live et j'ai pas envie de... Parce que quand il se m'installe sur moi, il se met les pattes en l'air, je peux rien faire. C'est compliqué. Alors... Oh, il est mignon, il est trop joli. Du coup, j'ai jamais compris, tu le gardes et ça arrive souvent, ces gens, tu le gardes par... c'est que ma mère, en fait, elle est partie en vacances dans un... Enfin, un truc de location, là. Pas Airbnb, mais un genre de gîte, je sais pas quoi, là, et... Et c'est chiant pour le chat parce que la journée, les employés viennent faire le refaire le lit, le truc, et donc ils ouvrent les portes. Et le problème, c'est que même s'ils acceptent les animaux, s'ils se barrent, enfin, c'est ingérable quoi. Donc, du coup, pendant qu'elle est en vacances, elle me le laisse ici, comme ça, ben je le garde et au moins ici, c'est tranquille quoi. Bref. Il va falloir que je circularise ça tout de suite. Au début, je voulais faire du xénon. Et puis je me suis dit rapidement, alors le problème du xénon c'est que bah, faut allumer pendant des heures pour que ça marche. Et j'ai dit non, on a 8 heures, je vais devoir faire une croix sur mes xénons. Je suis triste. J'aime tellement mes xénons. Mais malheureusement, voilà. Bon, j'avais mis un port d'amarrage en dessous au cas où. Je me suis dit bon voilà, au cas où j'en ai mis un. Il est pas censé servir mais alors on va circulariser ce bazar et après on va l'envoyer vers la mune. Donc quand je bosse en télétravail ou que je suis le soir ici, je l'autorise à venir là, il peut se mettre sur le lit à côté, tranquillou. Je surveille, mais là bon je suis en live, j'ai pas envie d'avoir à gérer le... les griffes là, pour l'instant. Hop là, hey, 0,0. Hein. En vrai, aux F, hein, il y aurait même un mètre seconde d'écart, ce serait pas catastrophique. Alors, la mune, elle est là-bas. Cible, déjà, j'ai combien d'inclinaisons? 2, 4. Elle est pas terrible cette orbite. Ouais, 97 mètres secondes. C'est sale.
très sale. Or, par contre, j'ai du rab, hein, Delta V 2342. Je peux y aller, mais. J'ai pas fait dans la demi-mesure, quoi. -0,1 degré, déjà c'est plus propre. Bon, à la limite ça se fait, hein. Avec le rap que j'ai. Je sais pas pourquoi il bagote comme ça. Bon, c'est pas bien grave ça. S'il bagote, tant pis. Je me rappelais pas qu'il faisait ça dans la. Je pense que c'est un. C'est la roue de réaction qui est un peu trop violente. Ok. Ajouter une manœuvre. Hop. 33. Km, parfait. Aligné sur le vecteur. Les éclairages de la propulsion, c'est waterfall. Ouais, a priori, c'est ça, ouais. Ils sont sympas, c'est clair que ça a de la gueule, quoi. La fois les plumes et les cages, je fais pas tant bien. Ah oui, d'accord. Hop. Ouh, je crois que j'intersecte carrément la lune là. Ah non, j'ai un PE. 7 km. Un petit peu violent quand même, 7 km. GRC, est-ce qu'il marche pas? Ah, il y a une éclipse. Il y a l'ombre là-bas. Je pense que c'est une éclipse de. Ouais, carrément. Ouais, il y a une éclipse de la lune sur le. Excellent ça. Excellent cette affaire.
Donc, on va mettre un point de manœuvre ici. On va s'écarter un chouïa. Oh bah ça fait rien. Ah mais non, c'est que j'ai pas pris le bon. Voilà. Je suis pas de toute façon une grande précision, hein. Je suis très loin, donc que je le fasse pile poil à la seconde, ça n'apporte strictement rien. Voilà. 16 km, tout de suite c'est mieux. Bon là on voit qu'il bagote, hein, quand il y a plein de rencontres successives, il est toujours un peu... avec les arrondis de calcul, ça le perturbe un peu. Là, si je passe, je fais le tour, je vais repartir là, je vais repartir près ici, je vais retourner autour de la mune, puis revenir. Alors, là, on va circulariser. À 15 km. Avancer là. Hop. Là, par contre, faut être relativement précis. Oh, c'est clairement pas optimisé, hein. La consommation d'ergol là, j'ai fait ça vraiment vraiment à l'arrache. C'est vraiment vraiment pas optimisé quoi. Ça marche quoi. J'ai Delta V sans compter. Alors ma base est ici, ben du coup il fait nuit, donc on va accélérer le temps un peu. Parce qu'on va se poser 2 jours. Ce sera mieux. On va essayer de le poser à côté. Il y a le mode trajectory qui fait bien le boulot pour ça. Alors par contre... J'ai pas eu le temps de mettre les groupes d'action là-dessus. Et le train d'atterrissage marche pas. Il les reconnaît pas. Je veux aussi de voir comment trajectoire va se comporter tout du long. Ah oui, non, ils n'étaient pas rétractables ceux-là. Je m'étais gouré. Deux modèles. Voyez, ouais, il marche plutôt bien, la trajectory, honnêtement.
Honnêtement, il est vraiment très pratique quand même. Ah, j'ai oublié un truc, par contre, c'est ça. Parce que sinon, je ne vais pas le voir. Je suis pas utilisateur et j'ai vu des choses différentes à l'utilisation. D'accord. Ok, j'ai ma cible. Alors. Je vois déjà que je suis pas du bon côté. Donc là, il faut que je vise en anti-normal. En normal, autant pour moi. Un strigo dessus, oui, c'est ça. Première chose, déjà, aligner le plan avec la cible. Donc en mettant dans ce sens-là, bah, ça fait une ellipse. Si je la mets dans ce sens, ça fait plus qu'un trait. Et on va l'aligner avec la cible qui est là-bas. Hop là. Voilà. Tu peux monter légèrement la fenêtre trajectoire et derrière le... Ah merde! Et oui, j'ai complètement zappé ça, moi. D'ailleurs, ce que je peux peut-être même faire, c'est virer la caméra temporairement, à la limite, comme ça, on verra tout le... plus de détails. Tu le fais au nombre et non à la vue. Ah, je suis que le trait bleu, en fait. Hein. En fait, c'est le trait bleu que je suis. Hein. Les valeurs, je les regarde pas plus que ça. En fait, quand je jouais sans ça et sans même... celle-là, je la mettais pas, en fait. Je sais là-haut. Enfin, je jouais comme ça. Il me reste 665 mètres secondes là, donc là je devrais être bon, je ne vais pas poser de problème. Alors le but c'était de faire moins de 100 mètres. Hein. Alors, Persix, alors quelqu'un m'a dit, je sais plus qui, qu'on pouvait l'afficher le suicide burn dans le... Je sais, j'ai pas trouvé où. Enfin, j'ai pas eu le temps de chercher et depuis l'autre jour, j'ai pas lancé le jeu, donc... H6, symétrie de suicide burn et le hoovering. Le hoovering, c'est dur. Hein. Le hoovering, c'est très très dur. Trop freiné là. Clairement, j'ai trop freiné.
Bon, c'était pas très propre. Mais bon. On va essayer, hein. Ça va mal se finir. Hein. Ou peut-être pas. Bon, finalement, ça c'est pas, c'était pas très très, pas très très propre, hein. Mais bon, c'est posé quoi. C'est posé. À moins de 100 mètres. Bon, c'est dégueulasse, hein. Clairement. Lui, j'ai posé du premier coup à côté. Mais là, j'ai fait de la merde. On va essayer de poser un vaisseau habité proprement à côté de tout ça. Nickel. Non, 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 non. Non, non, c'est pas nickel. C'est du caca que j'ai fait là. On va faire lever le jour. Clean quoi? Ça clean? Non. Je dis ça parce que. Ça pour me faire plaisir, mais. Lancer le vaisseau. On va essayer d'aller poser ça à côté des autres. Je vais remettre la caméra d'ailleurs, tiens. Tac. Même si on doit pas me voir beaucoup maintenant, je pense, à cette heure-ci, là. J'ai pas d'éclairage encore pour faire ça. Par contre, demain, il y a école. Je vais vous laisser. Ok. Bon, ça, on va le virer, j'en ai pas besoin. Plus que 14 Kerbal. Ouais, il y en a qui sont en orbite. Hein. Ils sont pas tous sur la Lune. Plus combien j'en ai envoyé là d'ailleurs. Je crois. Ah, il y a petit, il y a peut-être 3. Ah oui, cette fusée au nion. Ouais, je suis pas fan de la coiffe en haut là. Des oubis, merci pour l'aide. Ça permet d'en voir bien plus. Au moins qui n'est pas un temps jury. Moi, c'est moi que ça fait plaisir hein, de faire ça. Je suis content de voir qu'il y a du monde qui vient en plus. Ça c'est sympa d'être venu. Voilà, c'est ce qu'on veut voir, les mains derrière la tête en GT. Ah oui, comme ça, là, tac. Hop. Et on regarde la fusée monter. Ça c'est voilà. Quand je peux faire ça, je suis content. Ça va chauffer un peu là par contre, je suis un peu bas.
Et il bagote et je sais pas pourquoi. Pas censé faire ça. Et hop, on continue à monter. Ouais, ça a commencé à faire les flammes de réentrée là. J'étais un chouïa trop bas, mais pas beaucoup. Mais non. Ouais, un peu quand même. Là, il bug. Je sais pas pourquoi il fait ça là. Il se met à faire ça là d'un coup là. T'as un cap le truc. Non, en vrai t'étais haut. Ouais, non mais j'aime pas quand ça fait les flammes comme ça là. Il faisait pas ça samedi. Pourquoi il fait ça là? L'optimal GT est plus bas. Ouais, mais j'ai mon étage, il pousse rien là. S'il faut pousser contre l'atmosphère avec cette merde, j'arrive pas. Je suis pas terrible. Ah, c'est peut-être les gimbals des petits tuyaux là qui sont trop. Ouais. Ah ouais, c'est eux, ils ont trop de gimbals, c'est ça. J'avais dit que je partais. C'est vrai. Tu as dit que tu partais. Eh ben, à la prochaine. Alors. On va circulariser ce machin. Ah! Voilà. Quand les nœuds font le tour de l'orbite d'un coup, c'est qu'on est circulaire. Quasiment. Hop là, on annule le merdier là-bas. On va warp ça. Ah, une minute, on va accélérer un chouïa. Là aussi, eh ben, bonne soirée à tous ceux qui partent. De toute façon, je vais poser ce vaisseau et après j'arrête le live aussi. Donc, si 20 minutes, normalement, l'affaire est pliée. Ça sera bien suffisant pour aujourd'hui. Mais j'en ferai peut-être un autre. Peut-être que j'en ferai un autre pour terminer la mission. On verra. Et merci à tous d'être passés, en tout cas. J'étais très content d'avoir du monde et en plus du monde qui discute, ça c'est bien. C'est rare sur mes lives d'avoir du monde qui discute. Hop, alors. Un degré, ouais, bah, un degré c'est très bien. Ajouter une manœuvre. Hop, on va pas chipoter plus loin, on va aller là. (coughs) 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Un peu le warp. Hop là, 30 secondes. Ouais, c'est vrai qu'on peut prendre pour cible des objets. J'ai pas fait ça samedi. Ouais, ça aide à. Bah, ça te donne au moins. Ça te donne l'inclinaison de ton plan orbital avec le sien. Et la position des nœuds, surtout. Très très utile. Très très utile. Il
Et pareil pour la descente, là on fait clic droit, enfin clic gauche ou droit, je sais plus. Cibler le module de la base par exemple, ça permet de viser avec trajectory, on peut viser la. On a le marqueur qui s'affiche au sol là quand il n'est pas trop loin et on peut permettre d'ajuster la poussée des gaz pour le garder un petit peu derrière toujours. Par rapport à sa position, il faut qu'il soit toujours un peu derrière. Tant qu'on descend, il faut qu'il reste derrière. Et on le rapproche petit à petit pour vraiment ajuster sa trajectoire. Que plus on descend, plus on le rapproche de la cible. Et si on arrive à bien faire le boulot, on arrive à tomber vraiment très près. Ce que j'ai raté au coup d'avant, là. Je me suis posé à 200 mètres de la cible. J'ai trop poussé. Attends, ça déjà ça sera fait. Voilà. On accélère un peu le temps parce que c'est un peu long à cramer là. On va déployer quand même deux panneaux. Histoire d'avoir un peu de jus. Alors, ajouter une manœuvre là. Alors... Alors ça c'est sale par contre. Pas mal, 19 km, on va faire ça. 16,4 mètres secondes. Ben ça c'est pas le troisième étage, c'est l'étage de descente en fait. L'étage de descente qui permet de se poser. Et qui est abandonné sur la mune en fait. Une fois qu'il a été utilisé, il est abandonné. On va en voir un d'ailleurs quand je vais arriver. Il y en a un qui est déjà posé tout seul. Le cargo qui m'a servi à tester a été réexpédié. Je suis en 7 minutes. Donc là pareil, hein, la précision de combustion. Quand on est loin d'un astre, c'est-à-dire là je suis loin de la planète, loin d'ici, je peux être même une minute avant, une minute après, et ça va pas changer fondamentalement grand chose. Ok, donc tout à base, il va y avoir un cimetière d'étage. Oui c'est ça. Un cimetière d'étage de descente, ouais, exactement. Parce qu'à la base, ces vaisseaux étaient censés ne faire servir que pour le. Que pour ramener les Kerbal en cas de. Enfin en secours quoi. Ils n'étaient pas censés être utilisés pour faire le trajet. Parce que normalement, j'aurais dû avoir un vaisseau non construit dans le défi, qui n'était pas demandé, pour aller de Kerbin à une station orbitale. Après, une navette entre les deux stations orbitales. Et après, des petits vaisseaux pour faire des rotations d'équipage. Sauf que j'ai clairement pas eu le temps de faire ça, quoi. Donc j'ai abandonné l'idée et voilà.
Alors, ajouter une manœuvre, on va circulariser autour de la lune. On va tirer un peu vers le bas aussi parce que je suis pas terrible là. Oh, c'est pas mal ça. Hop, on pointe là. 1 minute 20 d'allumage. C'est dans 1 jour 4 ans 51 minutes. Avancer ici. Ah, il fait nuit. Il va falloir attendre pour aller se poser alors. Pas grave. Va accélérer. Hop là. Ah, je suis en orbite. 15 par 16, c'est parfait. Alors maintenant, par contre. Ah, il va faire nuit là. Il va faire nuit, on va rien voir. Donc je vais attendre qu'il fasse jour. Hop. Et on va rafficher la trajectoire. Hop, voilà. Donc là, ma cible est là. J'ai freiné pour désorbiter et je vise un point pour l'instant qui est loin derrière. Par rapport à ma trajectoire. Hein. Donc là, je suis là à gauche. On voit peut-être pas grand-chose. J'ai enlevé la caméra. On verra mieux. Donc je suis là. Ici, là. Tac, 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 tac. Je vais aller là. Et pour l'instant, je vise un point d'impact derrière. Donc j'ai mis ma base en ciblage, hein, ici j'ai fait donc cibler là, ici. Et quand elle va être à moins de, je crois que c'est 100 km. Par contre j'ai une orbite très haute, faut atteindre ça. Alors ouais, pour descendre proprement sur la Lune, faut être à 15, en partant à 15 km, c'est pas mal. Entre 10 km, c'est un peu bas, mais 12 à 20, 12 à 20, 25, ça va. Après au-dessus, faut... C'est un peu plus compliqué quoi. On tombe de vraiment haut et... Là j'accélère un peu le temps là pour gagner du temps jusqu'à ce qu'il apparaisse. Voilà. Là j'ai ma cible qui est là-bas. Donc si j'oriente ma vue, parce qu'on voit la courbe, hein. Ma trajectoire, c'est le mode trajectory qui fait ça. Donc si je me mets de façon à superposer la courbe qui est près de moi de celle qui est loin, je vois que je suis trop à droite. Donc je vise en normal. Et j'accélère un petit peu de façon à pivoter mon plan orbital pour qu'il passe au-dessus de la cible. Tac. Voilà, donc là j'ai montré bleu, maintenant il vertical. On le voit peut-être pas beaucoup à l'écran, mais... Il est droit sur la cible maintenant. Ça, je me remets en rétrograde. En fait, ça marche. Je à moins. Oh bah, fou, si c'est dessus, mais c'est parfait. L'important, c'est que ça marche.
Là, je vais replier les panneaux solaires. Pas les casser. On va faire F5. On avait droit au F5 et F9. Hein. Accélérer un petit peu. Voilà. Donc là, je vais rallumer les moteurs pour freiner. Je vais rapprocher là. Alors là, pour l'instant, on ne voit pas la cible. Elle est loin derrière. On va la rapprocher du... de ma destination. J'ai l'impression que j'ai freiné un peu tard là. Ouais, j'ai clairement freiné trop tard là. Bon, c'est pas grave. Je sais pas si je vais réussir à rattraper le coup là. On va voir. Non, ça c'est dégueu, je recharge. Non, parce que quitte à montrer comment on fait, faut que je fasse un truc propre, parce que là c'est dégueulasse. Voilà, donc là je recommence, je suis à 58 km. Voilà, je rallume le moteur pour rapprocher d'ici, mais surtout sans l'atteindre. Et donc il faut que mon trait, bien sûr, il passe, il soit aligné avec le avec ma cible. C'est pour ça que dès qu'il apparaît, là quand il est à 100 km, je fais la correction, parce que plus je suis loin pour corriger, moins je consomme de carburant. Donc la correction du plan orbital, je l'ai fait le plus loin possible. Très important. Voilà, ça va aller mieux là, parce que là j'avais vraiment fait n'importe quoi. Là je vais le rapprocher jusqu'à ce qu'il soit au bord du grand cratère là, là. Dans un premier temps, on va couper les moteurs. Fusée landing de carrière pour le suicide burn. Alors c'est vrai qu'il y a landing. Où est-ce qu'il est landing? Ah oui, il est là. Ah oui, suicide burn, il m'indique effectivement le. Ouais, bah, j'avais oublié qu'on pouvait l'avoir. Ouais, maintenant je vais rallumer le moteur et je vais essayer de garder ça, de le rapprocher de plus en plus d'ici. En même temps que moi je me rapproche de la. La base. Et là je vais corriger un peu par exemple. Là, je suis trop à droite. Hop là. Je fais droite-gauche en gardant en prograde. Hein, il le ramène tout seul. Et je peux faire des petites corrections comme ça. Et là je vais jouer avec les gaz pour réguler mon. Ma descente. Oh, par contre, je suis con, j'ai pas pris le bon. Il n'y a pas les moteurs que j'ai rajoutés sur le côté. Non? Non, celui-là était bon. Non, non, j'ai une connerie. Celui-là était bon. Et l'autre qui avait pas assez de poussée. Voilà, et là je rapproche de façon à ce qu'il arrive le plus près possible de. Non, là c'est bon. mètres/s, je suis à 500 mètres. mètres, je suis à 300 mètres.
On va réduire la poussée. Hop là. Décélération finale. 14 mètres secondes. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Je suis à la verticale, je coupe le rétrograde pour pas qu'il se retourne. Hop. 0,7 mètres secondes. Je descends constant à 0,7, 0,6. 0,8, 0,9. Ah, hop, hop, hop. Et dès que je suis près du sol, je coupe. Et je suis posé. À 112 mètres du module le plus proche. C'est pas si mal que ça. Et donc normalement ces vaisseaux-là, j'étais censé les envoyer en automatique vide. Ils devaient servir que juste pour le retour. Ils n'étaient pas censés être utilisés pour autre chose. Il y avait un autre. Je voulais faire un autre vaisseau pour les descendre les Kerbal. Attends. Trajectory. On n'en a pas besoin. Landing non plus. Une échelle, j'ai oublié ça aussi. Ah oui, ça peut servir. Surtout pour remonter. Bon, ils ont les RCS, hein, mais... typiquement là, pour remonter, il suffit de faire ça. Et bon, ouais, j'étais trop près, là. Hop, un petit saut comme ça. Et là, ça marche. Et on court. Trois personnes, ouais, ça sent que c'est la fin de soirée là. Ça devient un peu répétitif. Et de toute façon, je vais arrêter le live dans quelques minutes aussi. Et donc voilà un petit peu. Là, ma partie, on a fait le tour. Hein. Vous avez vu les vaisseaux, vous avez vu les fusées. Le programme. Ouais, après, c'est que si tu sautes... Boum. Après, oui, je pourrais utiliser les jetpacks, quoi. L'échelle. J'avais mis une échelle de chaque côté comme ça. Hop là. Très sympa de représenter ta mission. Je compte bien faire une vidéo ou un live, mais pas faire une vidéo ou un live, mais un document. Mais écoute. Tous les types de supports sont bons à prendre de toute façon, donc allez hop, on monte et on embarque. Impossible d'embarquer un module plein. Ah oui, il est plein celui-là. Il doit être rempli de Kerbal celui-là. Ah oui, mais il est rempli de Kerbal celui-là en fait. Ah ouais, lui il est plein. Celui que j'ai envoyé tout à l'heure, il l'a envoyé entièrement plein quoi.
Bah, il va aller de l'autre côté. Il y a Valentina qui est toute seule là-bas. On va envoyer Christine avec elle. Chris Rin. Pas Christine, Chris Rin. Donc là, j'ai 10 kerbal, 12. J'en ai 12 là sur le. Plus les deux qui sont restés dans, ceux qui sont dans le vaisseau, j'en ai 3. J'en ai 15 là. J'en ai 15 sur la mule là, des kerbal pour l'instant. Hop! Tac, 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 embarqué. Alors. Le remake de Friends on Moon. Ah, je connais pas du tout. Là. Pas la ref pour le coup. A priori, ça change les vues que de ceux qui sont dans ce module-là. Bonacette. Non, elle est pas dans le. Ça n'existe pas. Ah, aucun équipage présent. Ah, il n'y a pas d'équipage dans la coupole en fait. Ah, ok. Transférer équipage. Ok, transférer là-haut. Je crois qu'on peut en mettre que deux là-haut. Hein. Ah non, on peut encore en mettre. Combien il y en a? Bah, je crois qu'il est plein là. C'est 4 et 6. La coupole doit être sympa pour les. Bah, justement, ce que je voulais aller voir. Du coup, je sais plus que c'est que j'ai mis dans le. Pas Harine ni Gerdy. Voilà. L'intérieur de la coupole. Et un pot de fleurs. Le démarrage. Ah, on voit même la coupole de l'autre côté par la fenêtre là, du module voisin. Enfin, bref, voilà. Voilà un petit peu. Donc normalement, c'était censé y avoir 2 voire 3 modules comme ça ici. 7 modules, 7 petits vaisseaux automatiques comme ça à proximité. Un petit vaisseau de transport local avec 10 places pour aller de la station qui est en orbite, qu'on va aller voir tout de suite d'ailleurs. Pour aller de la station là jusqu'à la base au sol. On va aller la voir. Donc, il manque des trucs, hein. J'étais très 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 loin d'arriver à mon objectif. Donc la station, ça doit virer normalement d'ailleurs, hein, l'étage qui va. Ça,
Ah, ça doit jarter. Ça, c'est l'étage qui servait à ramener. Une fois que la station était là, elle avait plus besoin de ça. Voilà, donc il y aura un petit vaisseau dédié pour faire le trajet entre elle et la base en bas. Une navette pour faire le trajet entre cette station et la même autour de Kerbin. Et un vaisseau qui n'était pas à faire dans le défi pour aller de Kerbin jusqu'à la station en orbite basse de Kerbin. Voilà. Donc il reste encore quelques heures à faire pour si j'ai voulu arriver à faire tout ça quoi. Bref. On va faire un petit tour vite fait dans le VAB avant d'arrêter. Il reste plus que 4 personnes, il n'y a plus personne là quasiment. 23h. J'ai pas pensé de faire screen. J'aurais pu faire des captures d'écran là. Je ferai en off. On va faire un petit dernier tour. Donc on a ça. C'est le vaisseau qui est chargé de transférer les équipes. Enfin, de charger de ramener les équipages de la Mune à Kerbin. En cas de pépin. Donc il devait y en avoir 7 posés au minimum. Avec son lanceur. Ensuite on avait les modules munaires. Donc c'est les petits habitats là, cylindriques comme ça là. Il devait y en avoir au moins 3 en fonction de la capacité de chacun, à moins de 100 mètres d'écart les uns des autres, donc vraiment rapprochés quoi, avec le même lanceur que précédemment. Et on avait les stations, donc j'en ai fait qu'une au lieu de deux, j'aurais dû en avoir deux. Il y en a la deuxième station de Kerbin en fait, aurait dû être une station service en fait. Pour fournir du carburant à la navette qui faisait l'aller-retour entre les deux stations. Donc voilà. Je vais virer la coiffe. Effacer la coiffe, voilà. Ça c'est un petit truc provisoire juste pour le temps de monter et de redescendre en fait en orbite. C'était pas censé rester dessus. Voilà, avec son lanceur dont j'aime pas bien la baie moteur en bas, c'est pas beau ça. Voilà. Voilà. Et ben il est 23h. Je vous remercie tous d'avoir suivi. C'était très intéressant à faire. Et le prochain live sera, je sais pas sur quoi, peut-être du Stationeers en multi avec Ed and Dal. Ou du KSP, ou du Satisfactory, on verra. J'ai une idée que peut-être que je le ferai, je sais pas encore. C'est refaire le défi à partir de zéro. Me mettre un chrono dans le coin, 8 heures, et tenter de refaire à partir de zéro, maintenant que je sais ce qu'il faut faire, pas faire. Voilà. Donc merci bien, je vais remettre la caméra, histoire de vous dire bonne soirée à tous, et je vous dis à la prochaine, salut.